Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse et bien de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mes favoris du mois, puisque le mois dernier je vous ai fait mes favoris et ce mois-ci je les ai pas encore fait. Donc je me suis dit tiens, et bien c'est le bon jour puisque j'ai un code promo et bien à vous donner. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et on va commencer tout de suite par et bien le code promo. Donc j'ai enfin reçu et bien un colis de la marque Luxeol. Donc pour commencer cette vidéo, eh bien je vais vous montrer eh bien avec quelle marque j'ai eu ce partenariat. Eh bien c'est la gamme Luxeol cheveux. Donc il y a le shampoing et il y a l'après-shampoing. Donc c'est cette gamme-ci. Je voulais vous en parler aujourd'hui puisque j'ai moins 20% sur tout le site. Et Luxeol, eh bien je l'utilise depuis quelques temps maintenant, puisque je prends les gélules cheveux, vous savez, pour la pousse et la croissance. Donc celui-ci c'est un programme de 3 mois. Donc comme vous voyez, eh bien j'utilise ces produits depuis pas mal de temps maintenant. Donc j'ai reçu le shampoing et j'ai reçu l'après-shampoing. Donc si ça vous intéresse, et eh bien j'ai moins 20% sur tout le site Luxeol. Donc c'est le même nom que ma chaîne YouTube, c'est Lauradict. Vous tapez Lauradict en code promo et vous avez directement moins 20% sur les produits Luxeol. Donc je trouve ça, voilà, génial. Je trouve que c'est une super bonne nouvelle et je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo. Donc il y a le shampoing fortifiant, redonne force et vitalité aux cheveux, à la provitamine B5 et vitamine PP cheveux normaux. Et il y a l'après-shampoing fortifiant, donc c'est celui qui va avec le shampoing, redonne force, vitalité, et pareil à la provitamine et à la vitamine PP cheveux normaux. Donc c'est de très très bons produits pour le coup. C'est vendu quand même en parapharmacie à la base. Je suis très très contente de ces compléments alimentaires. Ça commence à voilà, à pousser. Franchement mes cheveux ils ont énormément poussé, je les perds un petit peu moins et ils sont brillants en ce moment. Donc on va dire que c'est l'un des meilleurs compléments alimentaires que j'ai testé, puisque j'ai testé plein de gammes. Et celui-ci franchement je suis très contente. Donc ensuite un produit que j'utilise en ce moment, donc c'est vraiment pas mal de produits beauté. Donc il y a Thésaurie d'Orienté, donc c'est un gel douche et c'est un bonheur de l'utiliser. Donc il est vendu partout, à Leclerc, à Auchan, il est à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. Et ça sent, oh, ça sent tellement bon. J'utilise tout le temps en ce moment. Et franchement c'est fou, vous sentez fort après avoir utilisé ce gel douche et il y a plein d'odeurs différentes. Donc franchement c'est voilà, c'est un bonheur de l'utiliser. Allez au moins le sentir dans le, voilà, dans le supermarché. Moi je vous le recommande, c'est une petite pépite clairement ce gel douche. Donc ensuite j'utilise beaucoup et eh bien ce petit bain de bouche de chez Oral-B, donc pour avoir un petit peu les dents un petit peu plus blanches. Je commence seulement à l'utiliser, donc je vous tiendrai au courant si ça fait effet ou si ça fait moyennement effet. Mais je trouve que depuis 2-3 fois que je l'utilise, après l'avoir fait, j'ai les dents un petit peu plus blanches. Donc pour le coup, je suis plutôt contente pour l'instant. Je vous tiendrai au courant de ce petit produit. Donc ensuite, j'utilise le nouveau déodorant de chez Nivea, donc en spray. C'est le Fresh Natural. Donc celui-ci, franchement, je l'adore. Il sent très bon. Donc pour me démaquiller, j'utilise toujours l'eau micellaire Skin Breath Micellaire de chez Nivea. Donc celle-ci franchement elle est géniale. Moi qui ai la peau hyper sensible, je deviens toute rouge après me démaquiller, et eh bien celle-ci je suis beaucoup moins rouge. Ça me démaquille très bien. Même le maquillage très tenace, il enlève tout et franchement je le recommande. Il est très bien. Donc ensuite pour ma routine capillaire, et eh bien en ce moment j'utilise et eh bien beaucoup les shampoings de chez Airbus, avec le petit produit voilà, le petit sérum volume et élixir de la gamme Airbus à l'avocat et à la noix de coco. Et c'est un bonheur d'utiliser, ça sent trop bon. Donc je l'utilise énormément en ce moment, ce petit produit. Et j'utilise aussi une petite huile de temps en temps si j'ai les cheveux un petit peu secs au niveau des, voilà, au niveau des points. J'utilise beaucoup l'huile sublimatrice de chez 200, donc c'est celle-ci que j'utilise beaucoup en ce moment. Ça permet de protéger, restaurer la barrière lipidique de la fibre. Si vous avez les cheveux secs un petit peu, au bout vous appliquez un petit peu d'huile. Donc c'est une huile sèche, donc ça ne graisse pas du tout les cheveux. Donc sur le moment ça fait un petit peu gras, mais ça rentre très vite dans la fibre des cheveux et ça ne graisse pas du tout les cheveux. Et j'utilise toujours le parfum et bien de chez Zara. Donc ces deux-là, c'est vraiment mes chouchous du moment. Je ne mets que ces deux-là en ce moment avec le Miss Dior. Et franchement, je mets celui-ci, je remets celui-ci, je remets celui-ci, je remets celui-ci. Enfin, c'est un éternel recommencement depuis, voilà, depuis le mois de octobre, novembre à peu près. Donc ensuite, on va passer un petit peu plus au niveau du maquillage, puisque j'ai acheté deux nouveaux rouges à lèvres.
Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc je les ai eus chez Sephora puisqu'on a pu retourner dans le magasin Sephora. Et ça c'était génial, j'étais trop contente de retourner enfin dans un magasin. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien pour le moral. Et je voulais me retrouver eh bien, des rouges à lèvres. Donc j'avais acheté un nude et j'ai acheté un rouge. Alors je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais je suis dans la tendance un petit peu rouge. Donc j'ai mis du vernis rouge, j'essaye d'utiliser des rouges à lèvres rouges. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis dans le rouge et j'adore. C'est les mats un petit peu crémeux de chez Sephora. Donc celui-ci c'est le 93-22E. Donc pour la couleur nude, donc je vais vous faire voir tout de suite. Donc c'est un packaging un petit peu mat et j'aime beaucoup beaucoup. Voilà comment il se présente. Ouais, il est super super beau, moi je trouve. C'est vraiment un nude parfait. Voilà, c'est le nude je trouve parfait pour mettre... Voilà, pour mettre tous les jours quand vous sortez. Bon, en ce moment avec les masques c'est compliqué vu qu'on ne voit pas notre bouche. Et j'ai acheté un rouge comme ça. Donc c'est le 92-59E. Et je trouve qu'il est très 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 beau. Franchement c'est vraiment un rouge voilà, qu'on peut mettre la journée, qu'on peut mettre le soir. C'est pas vraiment le rouge, vous savez, wow. Parce que moi je voulais un rouge assez, voilà, assez naturel. Et voici eh bien, le rouge. Il a un petit côté rosé. Je trouve qu'il est très 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 beau. Donc voilà, c'est un petit peu les couleurs du moment que j'essaye de mettre. Ensuite j'utilise beaucoup beaucoup en ce moment le mascara de chez Maybelline. Donc c'est le The Falsies Lash Lift de Maybelline. Donc c'est un mascara qui est très très bien. Il attrape bien les cils et il fait des cils longs, volumineux. Franchement j'en suis très 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 contente de celui-ci et pour le coup il est un petit peu moins cher que les autres. Donc j'en suis très 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 contente et en ce moment eh bien, j'utilise toujours, alors je l'ai bientôt terminé donc du coup eh bien, ça veut dire nouvelle vidéo fond de teint qui arrive. J'utilise toujours le fond de teint de chez L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear et j'en suis arrivée à... Voilà, à ce niveau, donc clairement c'est la fin. Et j'utilise toujours le l'anti-cerne de chez L'Oréal Infaillible More Than Concealer. Il est très couvrant et j'en suis très très contente. Il tient toute la journée, il ne file pas dans les plis, dans les ridules. Moi cette gamme là franchement elle coûte pas cher et c'est une pépite. Et d'ailleurs avec le masque, puisque je mets du fond de teint même si on met le masque, et il ne bouge pas le fond de teint, donc ça c'est génial. Et j'utilise aussi la petite poudre de chez Fit Me Maybelline, donc je me suis racheté celle-ci. C'est la Matte Plus Poreless de chez Maybelline. Pareil, celle-ci elle est géniale et j'utilise la Classic Ivory numéro 120. Clairement celle-ci c'est une poudre de tous les jours, elle est très très bien, elle tient toute la journée, elle ne bouge pas. Clairement c'est une bonne, voilà, une bonne poudre que je rachèterai clairement. Et en ce moment eh bien, j'utilise du vernis rouge. Donc celui-ci il faut que je le refasse là, il est un petit peu écaillé. D'ailleurs c'est la catastrophe, j'ai un petit peu honte de moi. Et c'est celui-ci, donc c'est le Rimmel London 60 secondes Super Shine. Il est très 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 bien celui-ci. Donc la teinte c'est la Queen of Tarte 315. Il tient assez longtemps parce que je l'ai fait il y a plus d'une semaine. Celui-ci et là ça commence vraiment à s'écailler, j'avais fait le ménage avec. Donc là aujourd'hui il faut que je le refasse et j'utilise toujours le modèle 1 Hyper Gel en teinte Jet Black, c'est le SG036. Franchement c'est mes deux chouchous du moment si vous aimez le rouge. Voilà, celui-ci ne coûte pas très très cher, il est à 6-7€ à peu près. Donc voilà un petit peu les nouveautés du moment. Donc n'oubliez pas le partenariat, voilà, avec le code promo si ça vous intéresse. Moins 20% c'est quand même assez, voilà, assez important je trouve de le préciser. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas aussi, je suis sur Instagram. Donc c'est Louradic, le même nom que ma chaîne YouTube si vous voulez me voir un petit peu plus souvent. J'essaie de poster plein de photos en ce moment. Donc ça me ferait vraiment super plaisir si eh bien, vous allez voir un petit peu mon Instagram. Donc en attendant une prochaine vidéo, eh bien, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye!